Bonjour, Victor Saucé, jockey professionnel, et je vais quand même me présenter. Un jockey professionnel, c'est un jockey qui a minimum gagné 50 victoires, montées et attelées confondues. Alors, je suis devenu jockey après avoir fait une seconde générale au lycée Jeanne d'Arc de Caen. Je me suis dirigé vers l'école de Graignes où j'ai fait un bac pro CGEH, conduite et gestion d'une entreprise hippique. En 3 ans, c'était en alternance, donc j'allais 3 semaines à l'école, 3 semaines chez mon patron dans une écurie. Et par la suite, après avoir fait mon bac professionnel, je suis passé salarié dans différentes écuries qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de monter en course et de m'illustrer sur les plus gros hippodromes français. Le matin, nous sommes à 7 heures à l'écurie pour soigner les chevaux. Alors après avoir soigné les chevaux, nous les entraînons. Chaque cheval a un programme spécifique. Chaque cheval ne s'équipe pas de la même façon, ne s'entraîne pas de la même manière. Et l'après-midi, pour ma part, je vais aux courses. Comme chaque été, sur les programmes de Cabourg, il y a le meeting de Cabourg qui se passe, où j'ai pu avoir ma plus belle victoire avec Art d'Érable. C'est un cheval qui a pu me faire plaisir par la suite, qui m'a fait gagner 2 victoires parisiennes. C'était pour un entraîneur pour qui j'ai énormément d'admiration. C'est un petit cheval sympa, et puis c'était quand même devant des milliers de personnes sur les programmes de Cabourg, des milliers de personnes qui sont devant leur télé. C'était un merveilleux prix. Victor Fossé contre Marie Bazir à l'extérieur, Victor Fossé qui repart à la corde. C'est magnifique, et c'est finalement Art d'Érable qui s'impose. C'est comme chaque personne qui débute dans le métier, on espère tous finir dans les meilleurs jockeys français, gagner les plus belles courses. Et après, par la suite, la santé déjà, ça sera déjà pas trop mal.